Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Juve Power. Je suis avec mon poteau Silver. Vas-y, viens, viens, viens. Fais pas le timide. On tourne, on reprend les bonnes choses, les bonnes habitudes. Donc c'est la rentrée un peu pour tout le monde. Je sais que des fois c'est pas facile de reprendre des bonnes habitudes. Eric, ça fait un moment que je le connais. Et on a toujours traversé plein de choses quand même. Ah, toujours plein de trucs, hein. Toujours plein de trucs. Yes, jusqu'au clip, on est là. Ça n'a pas toujours été facile, mais... Faut pas lâcher prise. Faut pas lâcher, et s'il y a quelque chose que t'aimes, tu le fais. Et même si ça marche pas tout de suite, tu verras que ça marchera forcément. On fait du rap, on fait du street workout, on fait de la muscu, du coaching, on fait tout. Même si ça marche pas tout de suite, vous verrez que ça va payer forcément. Et prenez la rentrée pour avoir une bonne dose de motivation et vous dire que c'est un nouveau départ. Tout travail mérite salaire tôt ou tard. C'est ça, vous verrez que ça paiera. Sachez que même si vous voulez montrer en vidéo des trucs que vous savez faire absolument, là vous êtes des humains aussi. Hein. Il y a des trucs qu'on sait plus faire, on savait faire avant, on sait plus, on va se améliorer. C'est pas grave, on vous montre tout. On s'en fout. On vous montre l'envers du décor. L'envers du décor. On montre que ça marche pas toujours. Tu leur as montré le salto, je sais, j'allais me casser la cheville. Que je le mette? Non, ça va aller. Non, ça va. Bref, ça arrive toujours. Il y a toujours des moments où vous allez vous péter la gueule. Dans la vie professionnelle, hein. Vous allez vous péter la gueule. Et voilà. Mais si tu continues, tu verras que ça paiera. C'est comme si tu tombais d'un vélo, tu remontais pas dessus direct. C'est chaud. Et tu risques de plus jamais remonter dessus en fait. C'est ça le problème. Vas-y, hein. De toute façon, moi après j'ai une séance de. Moi après j'ai une séance donc je vais pas trop forcer. Oh la grand chier, qu'est-ce que tu vas faire? Ah là, ce que je voulais faire. On va passer un petit tour de barre, tranquille. Tour de barre? Yeah. Ça marche ou pas? Ouais, ça marche. Bon, ensuite, après l'entraînement, généralement, on mange. Et là, je me suis préparé un petit truc. Si vous me connaissez, vous savez qu'il n'y a pas de viande, il n'y a rien. Donc... Bon, déjà, j'ai terminé un peu le melon, parce que, bon, voilà. La salade avec de la levure de bière, des pommes de terre, des patates douces, avec des brocolis et un steak de soja qui fait les filets. Voilà. Et ouais, je mange que ça quasiment. Et je me porte très bien. Je mange quand j'ai envie. La quantité que je veux, parce que si j'ai pas faim, j'ai pas faim. Je peux pas me forcer. Donc pour rester en bonne santé, il faut manger, mais bien. Pas trop. Il faut toujours une petite place pour ce que votre corps vous dit. Bon appétit. Bon, moi je m'en vais au boulot, je ne vais pas trop filmer mon travail, mais je ferai peut-être une vidéo spéciale là-dessus. Et voilà. Donc merci d'avoir regardé ces vidéos, je tenais vraiment à vous partager ce petit message. Hein. Le petit message de jamais lâcher, de repartir sur une bonne base. Donc voilà, à la prochaine, et d'ici là vous verrez un peu plus de contenu si tout se passe bien. À la prochaine.